C'est l'histoire de seniors qui ont décidé de vivre ensemble, d'échapper à leur solitude. Les premiers ici, dans un lieu qui ne ressemble à aucun autre. Une résidence de 71 habitants. Leur point commun, avoir plus de 60 ans. Bienvenue au village d'or de Saint-Jean. Vous allez rencontrer Monique, 70 ans, la plus dynamique du village. C'est simple, Monique est débordée. Allô ? Oui ? Oui, je suis très occupée. Tu me rappelles ? Il y a aussi Thérèse, 64 ans, la plus jeune du village, la meilleure amie de Monique. Mais je suis heureuse. Ça fait des années que je n'ai pas été aussi heureuse. Et vous ferez la connaissance de Ginette, la petite dernière. À quelques kilomètres de là, Christiane et Colette emménagent. Elles ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois, mais elles ont décidé de s'installer en colocation. Bienvenue dans un monde où les seniors vivent tous ensemble pour leur plus grand bonheur. Vous me suivez ? Aujourd'hui, Monique montre à Thérèse ses dernières productions de vases peints à la main. Oui, en plus, c'est vrai que... Thérèse est arrivée ici il y a 6 mois. En quelques jours, elles sont devenues amies. Là, tu as 3 vases. C'est des clématites. Moi, j'aime bien. Ça, c'est une petite lampe avec des coquelicots. Je suis arrivée et puis, bon, au début, je me suis installée. Puis, je me suis aperçue que Monique faisait des coquelicots et j'adore les coquelicots. Et voilà, ça, alors on a fil en aiguille. On a discuté, on a vu qu'on avait à peu près les mêmes. Voilà. La même façon de voir la vie à la retraite. Et puis c'est voilà, vrai, oui. C'est comme ça. Bon, voilà. Surtout que venant, moi, de la région parisienne, je n'étais qu'un numéro en région parisienne. Elle, c'est la parisienne et moi, je suis la toulousaine. Voilà. Donc, vous n'étiez qu'un numéro ? Parce que je vivais dans un appartement, dans un immeuble, sur Soisy sous Montmorency, et j'étais qu'un numéro. J'aurais pu rester, d'ailleurs ça m'est arrivé, de rester chez moi plus d'une semaine sans m'habiller, sans rien du tout, mais personne ne se rendait compte, j'aurais pu y mourir. Tandis qu'ici, non. Moi, je suis très entourée par ma famille. J'ai ma fille et ma sœur qui me gâtent énormément. Mais ici, ça me fait l'effet que j'ai une seconde famille. Une deuxième famille, voilà ce que Monique, Thérèse et les autres sont venus chercher ici. Je vais fermer. Qu'est-ce que c'est que... Oui. Ah tiens, le petit monsieur, il a laissé sa lumière. Puis ici, c'est bien parce que vous avez... Bon, vous sortez... Vous allez dans le parking et vous rencontrez toujours quelqu'un. Tiens, bonjour Manu. La résidence est organisée en 71 appartements, du studio aux 3 pièces, sur un étage. Émilie et son fils Pierre viennent déjeuner avec Gilberte, 80 ans. Gilberte est la grand-mère d'Émilie, l'arrière-grand-mère de Pierre. Elle a été parmi les premières à emménager. Il y a une botte dans le lit, une botte qui bouge. Ouh, voilà Cachou. Voilà Cachou. C'est Cachounette, dit. C'est Cachounette. Allez, hop. Chaque locataire vit à son rythme. Rien à voir avec une maison de retraite classique. Et c'est justement Émilie, sa petite fille, qui a souhaité qu'elle s'installe ici. Vous n'avez pas l'impression d'être dans une maison de retraite ? Ah non, pas du tout. Attention. Voilà, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Vous avez dit le mot qui fâche. Hein. Ouais. Si j'étais restée dans mon appartement que j'avais en 93, où j'étais bien, hein, mais j'étais seule. Donc j'avais des amis, bien sûr, mais bon, j'étais quand même seule. Tandis qu'ici, on n'est pas seule. J'aime bien être près des gens. Moi, j'ai une voisine qui a eu des problèmes de santé. Bon, je m'en suis occupée. Je l'emmène, comme j'ai la chance de conduire encore, je l'emmène à la clinique. Je lui promène son chien. Moi, j'ai de quoi faire. Hein. En blayeur, ils me disent, vous êtes toujours dehors, vous. C'est vrai.
C'est vrai que je suis toujours. Des fois, elle m'appelle, la semaine dernière, elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, tu pourrais pas venir me garder Pierre, je vais visiter un appartement, viens. Je suis partie, je pars. Je l'ai même, j'y suis même allée en voiture, alors je me dis qu'à 80 ans, c'est, je suis contente de moi. Mon cœur. Mon amour. Mamie, elle voulait vraiment anticiper sur son vieillissement, sur le fait qu'elle allait, de toute façon, rapidement, ne plus pouvoir faire ce qu'elle faisait, tout ça, donc elle voulait trouver quelque chose où elle dépendait de personne, entre autres de nous. Elle ne voulait pas être une charge pour personne. Donc elle a cherché de suite foyer logement ou à la limite maison de retraite. Et c'est vrai qu'on sait aussi comment ça se passe dans ces établissements-là. On ne laisse pas la place trop à l'autonomie des personnes. Et nous, on avait peur que, bon, mais on sait comment elle a besoin d'être utile et comment elle est active et autonome. On avait peur qu'elle perde tout ça. Qu'est-ce qu'il va manger, Pierre ? Des concombres. Des concombres ? Avec des tomates oranges. Oui. Hein ? Mais non. Ben non. Et vos amis, comment jugent-ils votre choix ? Il y en a qui sont venus me voir. Non. Et qui sont surpris et qui trouvent cette... cette façon de vivre très bien, très bien. Tout sont appréciés. Hein. Des fois, j'aurais envie de retourner les voir un petit peu, mais bon. Non, moi, je suis bien là. Pas besoin d'aller ailleurs. À quelques kilomètres de là, les colocataires Christiane, 70 ans, et Colette, 58 ans, emménagent. Elles recherchaient toutes les deux de la compagnie pour ne plus vivre seules. Parce que tu ne déplaces pas trop. Je n'arrive pas à me retrouver dans tous ces paquets. Tu as trouvé, Christiane ? Non. Est-ce que vous cherchez quoi, au fait ? Je cherche ma couverture. Ma couverture pour dormir ce soir. Colette, oui. Vous n'êtes pas trop inquiète parce que j'ai l'impression que Christiane n'est pas ordonnée quand même. Hein. Voilà, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, je pense que ça va s'arranger. Elle est un peu fatiguée aujourd'hui. C'est pas que je ne suis pas ordonnée, mais je n'ai pas pris un déménageur, c'est des amis qui m'ont déménagé. Ouais. Et alors, quand ils ont déménagé, ils ont mis. Voilà, c'est partout. Ah, c'est dans la malle! C'est dans la malle. Ben c'est la fin d'une certaine solitude, hein, puisqu'on décide de vivre à deux, donc quelque part c'est positif. Voilà. Comme je le disais, le fait de partager des repas, de pouvoir partager beaucoup de choses, c'est un peu l'inconnu. Mais moi j'aime bien voilà. Ce côté inconnu. Ça y est, on a trouvé. C'est ça, on va pouvoir faire le lit. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas vrai. À partir d'aujourd'hui, elles vont habiter ensemble alors qu'elles ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois. Elles se sont rencontrées sur un site internet spécialisé dans la colocation des seniors. Ah, ben voilà. Colette travaille encore, Christiane est retraitée, mais a priori, cette différence d'âge ne compte pas. Ça, c'est la couette. Bon, attends, on va se sortir de là, après, parce que ça permet d'avoir la couverture. C'est surtout les affinités qui ont fait qu'on s'est choisi pour la colocation. On oublie un petit peu l'âge. Et puis, je pense que vu son dynamisme aussi, moi, ça m'a vraiment motivée. Les affinités, ça ne m'a pas dérangée. J'aurais pu, moi aussi, me poser cette question. Elle est plus âgée, mais pas du tout. Les affinités les plus importantes que vous avez Une bonne humeur, quelqu'un de très, très gai, très entraînant. Être grand-mère toutes les deux, oui, comme ça on se comprend, d'avoir des enfants. Ça, c'est des affinités qui sont très, très importantes. Ah oui, et puis une certaine confiance à parler de la vie, de tout. Parler, voilà. Donc ça, c'est pas avec tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est bon, ça, c'est très important. Allez, c'est bon, hein, ça y est, je vais pouvoir dormir ce soir. Après l'effort, petite pause café avant de continuer à déballer les cartons. Allez, il y a celui-là, une feutre. Ça va ? Au centre de la résidence, le clubhouse, une grande salle commune ouverte aux résidents chaque après-midi. Aujourd'hui,
Corinne Ojeda a donné rendez-vous aux fans d'orthographe. Régisseuse, Corinne propose des animations tous les jours. Au programme aujourd'hui, dictée, comme à l'école. Elle s'est laissée fourguer par des maîtres chanteurs. C'est vrai ? C'est sportif, madame Allemand, hein, la dictée. Hein. Je vous préviens, c'est très sportif. Alors, trois fureteurs insolites. Trois fureteurs insolites. Elles relisent tranquillement la dictée. Après, elles vont échanger les copies, corriger, parce qu'il y a un barème de correction. Après, je vais relever les copies et voir celle qui a fait le moins de fautes. Mais en restant le plus neutre possible, pour que tout le monde soit à l'aise. Vous êtes la maîtresse d'école, quoi. Je suis la maîtresse. C'est génial, je suis la maîtresse d'école. Non, on s'amuse. On essaye de rendre des choses simples, très ludiques, de partager, de se retrouver tous ensemble, de manière à, voilà, à surprendre des éclats de rire, des petites réflexions, des notes d'humour. Le concept est de réunir des personnes qui se retrouvent seules dans un lieu où il va y avoir une convivialité, une certaine communauté. Les personnes vont se connaître, se reconnaître. Et c'est un petit peu le but, mon but, hein, de les faire se rencontrer et se faire apprécier par voilà, ce genre d'activité. Alors ici, comment ça se passe ? Non, mais est-ce que vous n'avez pas compté trop lourd ? Non, écoutez, non. Moi sincèrement, pour la première fois que vous la faites avec nous, cette dictée, je vous dis bravo. Parce que si je comptabilise au maximum, parce que je suis persuadée que c'est moins que ça, c'est très très bien. Félicitations, vous avez bien fait de venir. D'accord ? Vous êtes amusé ? Oui. Bon, bah alors, c'est l'essentiel. C'était difficile. Hein. Ça vous plaît de venir ici ? Ben, figurez-vous que moi, je ne suis jamais venue pour la dictée. En principe, c'était les chansons aujourd'hui. On devait chanter le mardi. Alors, je suis venue pour chanter. Ah oui, le moment où on chante. Oui, et puis, tout à l'heure, c'était la dictée. Alors, je suis restée, mais je n'étais jamais venue pour la dictée. Dans un coin de la pièce, Ginette, 80 ans, et sa fille. Elles ont toutes les deux participé à la dictée. Ginette vient d'arriver. Ginette est encore un peu perdue, mais avant, elle était toute seule dans sa grande maison à Limoges. Une solitude de plus en plus difficile à vivre. Ah, mais dis donc, je peux peut-être en prendre chez le pharmacien si je monte. Oui. Tu as trop chaud, tu t'en souviens ? Oui. Allez, mais bonne nuit et à demain matin. Oui, merci. Au revoir. Alors donc Ginette, comment ça se passe ici là ? Ben là, je vais voir ça ce soir, parce que je vais rester ce soir là. J'ai couché chez ma fille là. Votre fille disait qu'à Limoges, vous dormiez beaucoup. Pendant que je dormais, ben je pensais pas. Parce que quand vous étiez réveillée, après vous pensiez à quoi ? Oh, un peu tout. Même jusqu'à me suicider, tout ça, parce que je pouvais plus. Je pouvais plus rester toute seule. Surtout les hivers, je trouve que c'est triste. Déjà, quand on arrive à cet âge-là, on trouve que c'est ridicule de vivre, parce que personne n'a besoin de vous. Et maintenant, ça a déjà un petit peu changé ? Un peu changé, oui. Puis c'est gai quand même, c'est beau, je trouve, quand on rentre là. Au revoir. Au revoir. Le lendemain matin, la fille de Ginette arrive à la première heure. Elle habite à quelques minutes de là. Elle veut s'assurer que sa maman a bien dormi. De bon matin. Oui. Et bonjour. Il est La nuit a été bonne, a priori. Oui. Donc ça, c'est déjà démarrer une journée. Oui. Je suis débarrassée maintenant de le gros est là, maintenant je m'en fiche, les bricoles quand il manque, c'est tout. Voilà, c'est les détails, l'installation est lancée. Oui, oui. Puis bon, l'accueil a été quand même très agréable, mm-hmm. de la part de madame Ojeda, des résidents qui sont venus te parler spontanément, mais j'ai trouvé ça super, hein, hier. Mm-hmm. Vraiment, presque tapis rouge. Oui. Je me sens plus sereine, on va dire, voilà, et bon. On va voir, je pense que ça va mieux se passer, ça sera plus simple, parce que c'est vrai que la distance qu'il y avait entre nous, la distance kilométrique,
faisait que c'était pas évident à gérer non plus. Hein. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont des problèmes parce que les parents ne veulent pas bouger non plus. Et quand on a une maman qui est prête à bouger, à se déraciner, c'est beaucoup plus facile. Hein, parce que tu aurais tenu à rester sur ta région, la solution, bon, elle aurait été différente. Il y a 6 mois, à son arrivée, Thérèse, elle aussi, se sentait perdue, démoralisée, ne trouvant plus beaucoup de goût à vivre. Ok. Aujourd'hui, tout a bien changé. Ah, n'oublie pas le bip, parce que moi, ce matin, je ne l'avais pas. J'ai sorti qu'est-ce ma que facture de DF. Ah oui, il te faut tout, hein. Oui, pour prouver que j'habite bien ici. D'accord. Ouh, là, il ne fait pas chaud. Thérèse, toujours accompagnée de Monique, s'achète une nouvelle voiture. C'est bon. Sous mon bras. Je suis pas grande, hein. Ah oui, on va y voir. Et juste là, je l'ai mis dans le hall, elle est toute belle. On va la chercher. Allez, on va la chercher. Juste là. Regarde, elle me puce comme elle est belle. Elle a toute briquée. Hey, regarde. Impeccable. Elle brille de mille feux. Vu comme elle est belle. On va avoir 10 ans de moins dans cette voiture. Oh, au moins. Si c'est au pas belle. Alors, là, bien sûr. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, la roue de secours. Oui, c'est quoi donc, avec le cric, donc on dévisse. Oui, ben ça, oui. On tire et vous avez le cric et la roue qui... Non, qui... non, je suis une femme, alors vous ne m'expliquez sinon, pas. Sinon, vous appelez l'assistance. Oui. Directement. Tout ça, c'est sûr. Ça sera plus simple. J'en reviens pas que c'est à moi. Ah. Allez, viens ma puce, on s'en va. Il faut faire un vœu, il faut faire un vœu. Il faut faire un vœu. Ouais, qu'elle nous arrête. Qu'elle nous promène longtemps. Qu'elle nous promène longtemps. Allez. À tout à l'heure. Chez Christiane et Colette, quelques jours après l'emménagement, la vie s'organise. La maison est loin d'être en ordre, mais Christiane s'active pendant que Colette travaille. Divorcée depuis plusieurs années comme Colette, Christiane vivait seule, jusqu'au jour où elle a eu un ennui de santé. J'ai eu un petit souci de santé, le cœur. J'ai eu peur quand même. Et j'ai dit, bon, c'est le moment de faire quelque chose. Et puis comme j'entendais que la colocation, ça prenait, c'était des choses... Ah, j'ai dit, bon, comme j'étais sociable, j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas on va... Et puis écoutez, on va essayer, on verra bien. Et bonsoir. Je n'ai pas là. Colette rentre du travail. C'est le moment préféré des deux colocatrices, celui des retrouvailles. Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? Oh là là! T'as bien travaillé? Le rangement! T'as bien travaillé? Ah ben ça, pour travailler, oui, j'ai pas arrêté. Bon, ben c'est sûr que je vois qu'il y a du travail, c'est pas fini, mais bon, je me dis qu'on a le temps encore, hein. On a des soirées encore devant nous, voilà, et qu'il y a petit à petit, ça va prendre... Tout va se mettre en place. Non, mais moi, je suis très contente de venir ici, surtout. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça le plus important. Et de retrouver Christiane ? Oui, bien sûr, et de ne pas rentrer, de se retrouver devant les murs. C'est ça le plus important. En route pour une petite promenade. La marche, c'est un des goûts qu'elle partage. Oh, j'en ai vraiment mal à donner deux ou trois. On commence ce soir. Nous allons commencer ce soir. Oui, tiens, voilà. On commence ce soir. Je ne suis pas équipée et je n'ai pas encore trouvé mes tennis dans ces cartons. Mais bon, voilà, on va commencer, oui. On est rapide pour ça, c'est vrai. Et c'est vrai que là, c'est le soir, c'est agréable. Ouais. Et puis c'est toujours pareil, il faut être accompagné parce que marcher seul, je trouve que c'est pas très, très, très attrayant. Bon, allez, je vais faire les pizzas. Oui, moi, je vais aller directement. De retour à la maison, Christiane se met au fourneau. Colette, comment on fait pour allumer la plaque, là, moi qui ai l'habitude avec les plaques chauffantes? Tu fais ça. Voilà. Regarde. Les colocatrices partagent tout.
la cuisine, les courses, comme le loyer. Ici, elle paye 450 euros chacune pour un appartement de 80 mètres carrés. Dans le salon, Colette reçoit un courriel de sa fille. Voilà, j'ai un message de ma fille qui me dit « Je suis très contente que tu sois en colocation. J'espère que tout se passera bien. » Ma fille est en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Bon, mais ça fait plaisir parce qu'on se dit que les enfants, finalement, eux aussi souhaitent voir leurs parents, surtout ne pas être seuls, quoi. C'est ça, la démarche. Allez, hop, on marche. Les pizzas sont prêtes, le repas peut commencer. Ah, vous avez déjà coupé? Oui. Quelle organisation, hein. Mais deux femmes, c'est extraordinaire. Quand on vit seul après, quand les enfants sont partis, on a moins envie de cuisiner. On va faire des choses, enfin des plats rapides. Pas tout le temps, mais on y arrive avec le temps. Là, ça donne envie de recuisiner. Mais quand je dis vraiment se préparer des plats, se faire plaisir, parce qu'on sait qu'on est deux, on mange un peu plus. Mais ça, c'est un côté de la colocation, je trouve que c'est très agréable, parce que bon, moi je vous cache pas que les soirs, c'est rapide, hein. Et puis manque d'enthousiasme, je dis bon, je mange parce que j'ai bon appétit, mais je cuisinais pas, je voyais pas trop l'intérêt, c'est, surtout ces derniers mois. Là. On a beaucoup plus de... on est motivé, cette motivation, voilà. Parce qu'on la perd quand on vit seul. Dans la résidence, le lendemain matin, Marcel et Raymonde, les sœurs jumelles, 86 ans, partent faire leurs courses. Et bonjour monsieur. Ça pousse ? Bonjour. Bonjour madame. Ils vous prennent pas. Équipées de leur cabas à roulettes, elles passent chez leurs voisines. Tous les jours, c'est ça. On lui porte ce qu'elle a besoin, qu'elle nous demande. Le pain aujourd'hui, c'est des liégeois qu'elle veut, des petites commissions. Ouais. Ça, ça fait partie de l'ambiance de la résidence aussi, oui, tout compte fait. Entre nous, on s'entraide. C'est important, ça? Et bien sûr que c'est important. Peut-être qu'il faudra vous aider un jour aussi, à vous. Ah, je passe devant. Hein. La résidence, comme toutes les autres de ce type en France, est installée au cœur de la ville, à quelques minutes à pied des commerces. Les résidents ne sont pas coupés du monde, c'est aussi l'occasion de sortir, de marcher et d'être reconnu par les commerçants. Pardon. Alors, la dépêche de Toulouse. Mes jumelles préférées. Les jumelles préférées. C'est très gentil ce monsieur. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Merci. Au club à housse, Monsieur Chaussy, un autre habitant du village, prépare la salle. Et très vite, les premiers résidents s'installent pour participer à un célèbre jeu télé. Il s'agit de l'une des nombreuses animations de l'après-midi. Alors après, c'est là. Corinne a remarqué l'absence de Ginette. Et elle décide d'aller la chercher. Je ne me trompe pas. Je me mets devant pour pas qu'elle ait peur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On est prêtes? Oui. On va participer à Qui veut gagner ben, des millions? Ben oui, 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 oui. Je viens de faire mon lit. Bon. Vous avez bien dormi la deuxième nuit aussi? Oui, 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 pareil oui, que la première? Oui, oui. Bien. Bon, vous avez le moral? Oui, ça va. Un petit peu mieux? Oui. Hein? Bon. Oh, un peu mieux, pourquoi? Je sais pas, parce qu'il y a toujours une angoisse dans le déménagement, je le comprends fort bien. Changer d'habitude, non? Même pas? Même pas. Oh, c'est super. Oh non, je m'ennuyais trop. Hein. Ah, vous allez pas vous ennuyer avec nous? Vous mais le dites, moi. Je vous laisse vous préparer. D'accord. Et on d'accord. vous attend? Oui. D'accord. Alors, vous mettez où vous voulez. Vous ne savez pas avec qui vous allez jouer. Vous allez jouer non. quand même. Oui, je vais vous oui, trouver oui. une bonne copine, moi. Vous allez voir. Avec nous, vous allez être super. Ça ira très bien. C'est tout à fait le début, mais vous verrez. Regardez toute l'équipe qu'il y a. Oui, oui, oui. Hein? Alors, on passe des après-midi. On ne passe plus à rien. Nous avons tous nos soucis. Oui. Mais quand on est ici, on les oublie. Voilà, vous verrez. Alors, qui veut gagner des millions? Nous avons ici Jean-Pierre Foucault. Représenté par Monsieur Chaussy, qui va vous poser des questions et qui va valider vos réponses.
Donc, on va commencer avec l'équipe Monique, Thérèse, avec la musique habituelle du jeu, le track. On va vous aider. Alors, je rappelle au public qui est derrière qu'il ne faut pas souffler. Vous répondez dans votre tête, mais vous ne soufflez pas. Voilà. Complétez ce célèbre refrain. Ah, ah, ah oui, vraiment, Cadet Roussel est un brigand. B, un schnappant. C, bienveillant. D, bon enfant. On ne souffle surtout pas derrière. Hein. D, bon enfant. Vous avez l'air bien décidé. Vous êtes bien sûr? Attention. Je crois. Je sais pas. Ah, si vous avez bien répondu, vous gagnez 1500 euros. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on est doué. Bravo. Bravo, on peut les applaudir quand même. Ah ouais, ça, c'est sûr. Mais ça s'arrête pas là. La question 6. Ça va se poser. Après le jeu, le goûter. Les animations sont comprises dans le prix du loyer. Un studio ici est loué 450 euros par mois, 1000 euros pour un 3 pièces. Le lendemain, Monique s'adonne à sa nouvelle passion, la peinture sur verre. Sa spécialité, les fleurs. Et dans cette résidence, Monique a un drôle de sentiment. Elle se sent rajeunie. Comme tout le monde, j'ai eu mes malheurs dans ma vie. Dieu sait que j'en ai eu deux gros. Quand on est ensemble, quand on est dans ce club, automatiquement, vous pensez plus... on est là. On ne pense plus à nos soucis. On est toutes, on a toutes nos soucis, notre vie, nos enfants, nos petits-enfants. Mais on n'y pense plus. Parce que, alors, ça nous fait comme un vide dans la tête. On est là. Je dis, on va partir à 11h, on reviendra peut-être à 8h le soir. Je ne vais pas penser ni à ma fille, ni à mes petits-enfants. Dieu sait que c'est le centre de ma vie. Mais je ne vais pas y penser. Parce que je suis avec les copines. Je passe une bonne journée. C'est ça qui est bien ici. Ça nous aide à bien vieillir, à vieillir en forme. Sachant qu'à tout âge, on peut s'amuser, il serait dommage de s'y refuser. Rajeunir en chantant, si possible. C'est la philosophie d'Odette, à qui on peut poser la question qu'on ne pose jamais à une dame. Fleur de Paris, je vais la chanter, parce que j'aime bien, c'est après la guerre, ça me plaît. Froufrou. Celle-là, je ne vais pas la chanter. Les feuilles mortes. Madame Vatre, je peux vous demander votre âge ? 89. Bien. J'ai du mal à le dire. Pourquoi ? Parce que c'est vieux. Personne ne me trouve vieille, remarquez. Parce que j'ai encore du succès. Fandango du Pays Basque. Mais vous vous sentez en pleine forme, vous ? Oui. Quel âge vous avez dans votre tête ? Dans ma 70. Oui, plus. 20 de moi, quoi. 20 ans de moi, rien que ça. Aujourd'hui, c'est Chorale. Et c'est Odette qui organise l'après-midi. Elle accueille Monsieur Paris, l'accordéoniste. Bonjour. Il y a du monde aujourd'hui. Allez. En route. Bonne troupe. Bonjour, monsieur dame. La chorale a beaucoup de succès. Au Clubhouse, nous retrouvons d'ailleurs Monique et Thérèse, Gilberte et Ginette. Ça sent si bon la France, sur un trottoir de clochard aux yeux doux. Ça sent si bon la France, Paris me dit dernière heure. L'accordéon, les airs d'antan, la convivialité donnent alors envie de danser. Une valse entre femmes, la résidence ne compte qu'une poignée d'hommes. Voilà des seniors qui ont décidé de donner à leur vie la légèreté d'un air de musique entraînant. Des seniors qui sont ensemble, et c'est tout. C'est nous les plus forts. Voilà. On a chaud, ça va tourner.